Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le code erreur Roblox 277. Le code erreur Roblox 277 est aussi appelé Disconnected Connection Timeout. Alors, ceci indique généralement un problème de connexion entre votre appareil et les serveurs de Roblox. Voici quelques étapes pour résoudre ce problème. Premièrement, vérifiez votre connexion Internet. Ceci, c'est l'étape la plus simple. Par ici, vous pouvez voir votre Wi-Fi. Ou alors, ceux qui sont connectés à l'aide de nos mobiles, vous pouvez toujours voir cela. Et ici, vous pouvez voir les barres de réseau et les barres du Wi-Fi. Pour ma part, ma connexion est très bonne. Et aussi, à part cela, vous pouvez redémarrer Roblox. Fermez complètement l'application Roblox ou le client sur votre ordinateur, puis relancez-le. Pour faire cela, c'est tout. Vous allez forcer l'arrêt en accédant à vos applications, en balayant l'écran du bas jusqu'en haut, et vous allez fermer Roblox. Vous pourrez donc réouvrir Roblox et continuer à jouer l'application. Aussi, une autre méthode pour réparer cette erreur, ça sera de mettre votre Roblox à jour. Alors, cette option est primordiale. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Roblox. Vous pouvez mettre à jour en téléchargeant à nouveau l'application depuis le site officiel ou en vérifiant les mises à jour via l'application. Donc, vous pouvez ouvrir l'application App Store. Et à partir d'ici, vous allez rechercher sur la barre de recherche qui se trouve en bas à droite, vous allez rechercher Roblox. Et en étant dans Roblox, vous allez observer de vous-même par ici. Si c'est écrit mettre à jour, alors vous devez mettre votre application à jour. Mais si c'est juste écrit ouvrir, alors l'application est déjà à jour. Aussi, vous pourrez vérifier les paramètres de votre réseau. Ceci fait aussi partie de l'état de la connexion. Et encore, utilisez un VPN. Si le problème est lié à votre région ou à votre fournisseur d'accès, essayez de vous connecter via un VPN pour voir si cela améliore la connexion. Je vais vous conseiller fortement le VPN qui s'appelle NordVPN. Ici, vous pourrez trouver environ 60 pays et plus. Donc, si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous pouvez contacter le support technique de Roblox pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous pouvez rechercher support ou alors assistance Roblox. Vous allez rechercher dans votre navigateur assistance Roblox et vous allez expliquer votre problème à l'assistance en les contactant. Vous allez cliquer juste ici sur Roblox Support. C'est de ça qu'il s'agit.